On va parler hockey sur glace maintenant avec l'invité de cette demi-heure, Christian Vigier, le président du club d'hockey. Ils ont longtemps fait partie de l'élite du hockey sur glace français et du sport essonien. Ils, ce sont les Jets de Viry. Ouais. Après de nombreuses péripéties, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de péripéties, le hockeyeur essonien remonte la pente. Petit rappel d'un passé lointain, lorsque le club essonien faisait partie de l'élite il y a quelques années, ça donnait de ça. En images, en musique. C'était donc les Jets de Viry au moment où ce club faisait partie de l'élite du hockey national. Sur ce plateau, le président du club de Viry hockey sur glace, Christian Vigier, bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. On va rappeler un peu l'historique du hockey essonien et castelvirois. C'est vraiment une tradition du hockey et de la glace à Viry. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire du club avant les années 2000 où il s'est passé aussi beaucoup de choses? Effectivement, ce club a été construit au fil des années, à la fois, bien évidemment, avec la participation motivée et toujours passionnée, parce que le hockey, c'est un club de passion de l'ensemble des présidents qui se sont succédés, et bien évidemment, également avec l'aide et la participation des partenaires, la mairie dans un premier temps, et aussi également, bien entendu, le département de l'Essonne, hein, qui a continué et qui continue à aider et à être un partenaire principal du hockey sur glace. Alors, le hockey à Viry, c'est une présence parmi l'élite pendant de nombreuses années. Une équipe de jeunes aussi. On va voir des images d'un titre, d'un équipe de champion de France junior. C'était en 2000. C'était, si je me rappelle bien, une victoire contre Grenoble ce jour-là, avec un titre fêté. C'était le renouveau peut-être aussi du hockey pour Viry. C'est vraiment une présence en Ile-de-France et en France, notamment au niveau des jeunes. C'est à la fois le renouveau, mais c'était la continuité. Ouais. Bon, je peux en parler parce que c'était moi qui étais finalement le responsable de cette équipe hein, pendant de nombreuses années. Et effectivement, c'était l'aboutissement d'un travail avec une équipe nombreuse. C'était la première fois qu'on avait un effectif de 26 joueurs, je me rappelle, avec en plus dans cet effectif 6 joueurs des 20 ans qui étaient montés cette année-là. Dans le groupe A, les championnats du monde, c'était important. Donc c'est vrai que c'est un très bon souvenir. Et puis on avait vraiment, vraiment une équipe de qualité, hein, d'un très, très bon niveau. Vous avez des nouvelles de ces joueurs? Ils font partie des meilleurs clubs français, je présume. Ils ont arrêté pour certains ou... Bon, disons que globalement, il y a, je pense, les deux tiers qui continuent à jouer, à pratiquer le hockey, soit dans des clubs de l'élite, de première division, ou bien pour le plaisir encore. C'était une belle génération.
pour Viry. Absolument, absolument. C'était une belle génération qui avait bien travaillé et bien porté les couleurs de l'Essonne et de la ville. Alors, la vie des Jets de Viry a été en fait parsemée de petits soucis, on va dire, ou de gros soucis, même sportifs, savoir une dernière place de l'élite, mais un repêchage parce qu'il n'y avait pas de descente cette année-là. À l'orée des années 2000, déjà, on voyait poindre en fait des difficultés, notamment financières et aussi sportives, pour l'équipe de Viry. Bon, en fait, il y avait deux problèmes. Il y avait la structure du championnat national qui n'était plus adaptée de toute façon. Effectivement, la dernière saison, donc 2000, le championnat élite, appelé élite, était réduit à 7 équipes, ce qui c'était franchement insuffisant. Bon, et d'autre part, bien évidemment, les difficultés des clubs comme Viry, qui, bon, du fait de l'usure finalement, du contexte, ne pouvaient pas se sortir de la difficulté qui était la sienne ou des difficultés financières qu'ils avaient accumulées au fur et à mesure des années.